Combien de fois j'ai marché jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que je m'endorme debout pour éviter de me retrouver seul avec la nature. Dans mon imagination, les bruits de la nuit, les cris des animaux, les arbres, le vent dans les arbres devenaient des bruits humains. J'étais certain que j'allais être emporté, changé sur place en rocher, vivant, happé, happé par la nature. Ça y est, j'y suis à Tigné. Tigné est un petit village en Anjou. Puis on a acheté le château entouré de 25 hectares de belles et bonnes vignes généreuses. Gérard, tu en rêvais depuis si longtemps de ton vin. Du vin qui te ressemble, à toi, aux hommes et aux personnages que tu aimes. Ce vin, tu as tout pour le réussir. Tu as surtout le terroir et les cépages. Le franc, le chenin, gamay, et puis ton chouchou le grelot dont tu rêvais le vin de pisse. Alors maintenant, montre-moi. Je veux voir si tu y mets vraiment les mains. Tes mains, dans le sang de la vigne. J'en ai vu, moi, là-dedans. J'ai vu tout ça pousser. Ça, c'est l'ancienne, enfin, c'est la propriétaire, c'était l'ancienne propriétaire, qui est Madame Lalanne. Et elle est encore tout à fait chez elle, d'ailleurs. C'est pour ça que quand elle ne me voit pas, et quand elle, d'un seul coup, elle nous voit arriver, je veux dire, on est deux, hein, y a Patrick Bordier et puis moi-même. Alors, elle est déconcertée, elle dit, mais oui, mais moi, je peux pas. Je dis, mais ça fait rien. Elle oublie parfois que le château est vendu. Elle oublie. Mais... Je dis, mais non, le château ne m'intéresse pas, Madame Lalanne, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est ce qui entoure le château. Je me sens pas châtelain du tout, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit comme travaux dans l'immédiat. Je rêve dessus. Je crois que la plus belle des aventures, ce qui m'arrive le plus beau, c'est le vin de la vigne, la terre, c'est le terroir, c'est les cépages, c'est les gens qui entourent ce travail de la vigne. C'est les gens du village, de la région Anjou aussi. Et bon, c'est vrai que quand on monte sur la tour là-haut et qu'on imagine ce que ça pouvait être il y a 400 ans, là, ça décolle bien la tête. J'aime la campagne beaucoup plus que la mer ou la montagne. La plage, ça me fait chier. Le soleil m'agace, il me tape sur le système. Je suis une plante. Une plante d'arbre comme l'hortensia. Une plante d'ombre. La Loire calme, tranquille, glacée, impavide en hiver. Rien de mieux pour se nettoyer la tête, surtout après le tournage de Cyrano. Les vignes se reposent, vidées de leur substance, presque mortes avant le grand chambardement du printemps. Et il faut pourtant prendre des décisions déterminantes pour le devenir du vin. Et tu es seul. Il faut tailler, oublier l'idée de quantité. Et toi, tu exiges taille courte, encore plus courte, pour avoir peu de vin, mais... concentré, riche en matière, généreux en fruits, noble en arômes. Tu découvres ta terre avec Dominique Polo, ton maître de chais. Tu apprends le long chemin de l'amitié avec le terroir qui succède au coup de foudre du nouveau propriétaire.
dans une période plus froide. Il va t'aider de sa connaissance, de sa compétence pour l'apprivoiser, cette terre, la tienne. Ah, ça serait même très bien, parce qu'il ne faut pas que la vigne démarre trop rapidement. Quand je suis venu ici, j'ai voulu rencontrer et donc Jacques Lalanne, qui était dans la famille Lalanne, à qui ce château appartenait. J'ai eu le premier contact avec lui au téléphone. Je tournais Trop belle pour toi, tu es à Marseille, je lui ai parlé. Jacques Lalanne m'a présenté Dominique. Et avec Dominique, je suis allé donc avec mon ami Jean Jarry goûter d'abord ses vins. Et on a échangé des goûts, des passions, des choses, avec plein d'abondance et donc forcément de maladresse de ma part. Dominique est en vrai vigneron, a donc su négocier ces entretiens. C'est vrai que chez les vignerons, c'est extraordinaire parce qu'il y a une passion, mais en même temps, il y a beaucoup de patience. Hein, et ça, c'est aussi, ça fait partie du travail de la terre. Et donc, avec Dominique, il y a eu donc un engagement réciproque de confiance, de choses. Et j'ai pu découvrir, en un an, je crois que j'ai fait des progrès énormes. Ça fait combien de temps l'hectare? Alors, suivant les cépages, suivant la forme de conduite, on peut compter 45 à 50 heures, avec des mini à 30 heures dans des gros lots, dans les cépages donc plus simples à tailler, et puis des maxi de 70 heures dans des cabernets, par exemple des jeunes cabernets sauvignons qui sont très vigoureux et qui ont beaucoup de bois. Bah écoute, maintenant il est midi et demi, moi ce que je te propose, après avoir vu le vignoble, c'est d'aller prendre un coup de blanc. Oui. On voit ça? Alors moi je dis fabrication parfois. Quand je vois 80... Non mais ça c'est génial, ça c'est génial, c'est génial. Tu sais, moi, on n'en a plus, on en a ça plus pour le vent. Complètement simplement pour l'offrir. Je n'hésite pas de savoir comment vont vieillir tes vins. Non, non. Si. Donc, ce sont mes premières vendanges. J'avais 15 ans et j'ai porté la haute sur mes frêles épaules en short et en maillot de corps et en savate. Il n'a pas plu, il n'est pas tombé une goutte d'eau pendant la période des vendanges. Et alors donc 100% chenin, récolté dans une vigne qui avait à peu près 50 ans, sur un coteau exposé au midi. Et ça a été pressé donc dans un vieux pressoir vérin, là. Quand le raisin a été mis donc à l'intérieur de la cage, le jus qui a coulé donc titrait 18 degrés à peu près, et à la fin du cep, ça titrait 21 degrés. Et comme le mustimètre n'est gradué que jusqu'à 18,5, il a fait exploser le mustimètre. Il a fallu mettre moitié d'eau dans les pommettes pour arriver à mesurer la densité. Mais ça, c'est exceptionnel. C'est l'année exceptionnelle. Ça, c'est l'année exceptionnelle. Mais ça, ce sont toutes les caractéristiques. En 89, il va y avoir les mêmes choses. Dis-moi, pourquoi t'as acheté ça? C'est pour faire un placement ou t'aimes vraiment le vin? Moi, j'aimerais vraiment. Oui, mais t'aimes le vin. Je sais que t'aimes le vin. T'aimes le boire, mais le faire, c'est autre chose. Ah non, mais j'aime bien. J'aime beaucoup le faire. Enfin, l'idée. Moi, j'ai aucune prétention sur faire le vin parce que d'abord, on ne sait jamais. Hein, et c'est ça qui est bien dans le vin, finalement, c'est qu'on ne sait rien. Je sais qu'ici, ça paraissait bizarre puisque c'est vrai que l'Anjou est un vin qui n'est pas tout à fait réputé. On a fait Saumur, Champigny et tout ça. Puis moi, quand j'ai pris cette chose, il y avait des Anglais qui voulaient acheter ce domaine. Il y avait une brasserie, il y avait aussi des Japonais qui étaient sur le coup. Et j'ai enlevé le morceau uniquement parce que j'aimais les vins d'Anjou. Finalement, cette terre ressemble un peu au caractère des rôles que je fais. En plus, je suis assez content parce que Gilles de Rais est passé par là. Les Chouans étaient pas loin. Non pas que j'ai un esprit royaliste, mais... Il y a quand même un esprit résistant, je dirais, en même temps. Hein? Tu fais quoi en Anjou? Tu as quoi comme vigne et ça donne quoi comme vin? Ce que j'aimerais bien, par exemple, ce que je voudrais faire, c'est des cuvées qui ressemblent à des films ou à des personnages, à des caractères. Par exemple, en 89, j'ai eu la chance d'avoir une telle concentration dans ce Cabernet Franc que j'ai pris, et j'adore le Cabernet Franc aussi. Pourquoi je suis là? C'est parce que ici, on peut faire du Cabernet Franc, hein, le Franc. C'est un vin qui est très puissant, violent, rêche, âpre. Mais c'est ce qui donne la longévité au vin. C'est ce qui donnera dans 10 ans du grand vin. Le Sauvignon n'est pas... Il est beaucoup plus flatteur, beaucoup plus... Le Cabernet Sauvignon est plus flatteur, plus chose, mais... Bon, enfin, voilà. En fait, il suffit de goûter, d'être là, présent, d'être avec son vin pour se dire, tiens, je vais le soutirer après-demain.
parce que je vais laisser un peu de pourriture, parce que c'est ça, avec aussi la pourriture, que ça, c'est ça qui est bon, la merde, ça, il y a de la magie dans la merde, il y a de la magie, il y a du risque à tirer un peu les vins dans un mauvais goût, parce qu'après, tout ça, ça, avec un peu d'air, ça s'aère, et c'est peut-être cette merde qui va nous apporter son caractère, finalement, là où on se dit, oh bah merde, il a un drôle de goût, le mer captant, par exemple, ces choses qui puent un peu la... la merde, quoi, le goût de la merde. Et ça, ça sert, c'est utile. En général, le sommelier, dans un n'importe quel restaurant, vous fait ça, il ne connaît pas, puis alors, le mec, il sent. C'est bien, merci. Et hop, il boit, comme ça. Oh, c'est bon. Vite, il se dépêche. Tu vois? Ça, c'est bon. J'aime bien ça, ça... Oui, il y a une bonne marche. C'est une bonne marche, ça. Oui, il y a une marche. C'est quelque chose qui est bien. Sérieuse. J'aime bien, ça ressemble un peu à du vin.